Placé sous le thème « Données personnelles, enjeux sécuritaires et protection des enfants en ligne », cette célébration au plan national de la Journée mondiale de la protection des données personnelles et de la vie privée, quatrième du genre, est le lieu de relancer les débats autour du respect des dispositions légales en matière de protection des données personnelles et de la vie privée. Présent, managé par nous-mêmes déjà, managé par nous-mêmes et présent physiquement sur le territoire. Alors, la présence des enfants en ligne est de plus en plus croissante à cause du fait que l'Internet offre de nombreuses possibilités et les enfants se retrouvent en ligne à cause de ces raisons-là. Mais derrière l'Internet, il y a de nombreux risques. Lutter contre les diverses atteintes à la vie privée, aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles ou collectives causées quotidiennement par l'usage inapproprié des données personnelles devient un combat de longue haleine et de tous les instants, dans le sens où, sur le web, aussi bien que sur les réseaux sociaux, l'accroissement des pratiques répréhensibles met en danger non seulement la vie privée, mais également la sécurité nationale. Cette journée célébrée à travers le monde, sous la dénomination Data Protect Day, marque un tournant décisif dans les missions de sensibilisation et d'information des citoyens sur les problématiques liées à la protection des données personnelles et de la vie privée à l'ère de la digitalisation des actes de la vie courante. Afin de veiller de manière efficiente à la protection des données personnelles dans une société en pleine explosion du numérique, l'APDPVP place au cœur de la sensibilisation les droits des citoyens et les obligations des responsables de traitement.